Bonjour, bonsoir tout le monde. Bien content de retrouver pour nous porter pour vous toutes les dernières informations sur l'actualité politique là. Et on le fait encore, merci pour votre présence, merci pour votre patience, merci pour la confiance que vous placez en nous. Équipe là, tout fait, tout flamme, puis mauvais, puis motivé pour servir avec même détermination. Hein. Et puis porter pour vous information sur l'actualité à Jean. Aux amis auditeurs, téléspectateurs, Sofia TV 83, je dis assez un plus gros contentement avec plaisir. Présentez-nous une grande interview avec Madame Hippolyte Maniga sous situation politique constitutionnelle sous direct mandat sénateur et député plus magistrat. Ancienne dame a quitté élue sénatrice l'Ouest, te boudé chaise sénatoriale là. Sans explication, tout de suite, il te doit entrer en fonction comme sénatrice de la République. Très important, prenons un temps pour nous tendre constitutionnaliste là, qui point par point établi et puis évoqué décret loi électorale 2015 là, qui contradictoire à maman loi pays. Toujours d'après ancien dame là, carotte la cuite, pas gain causé que c'est un tiers sénat. Et qui t'a doué aller, j'en disposition, transition article 288 là, cadic depuis 1987, qui aligné 2, 4, 6, dire mandat sénateur, tabula rasa comme réponse, tout le monde doué aller. Entendez, s'il vous plaît, madame, messieurs, madame Hippolyte Maniga, aka équipe, émission booster, sous situation, en pile moun prévoit qui pral rive soit avant 13 ou après deuxième semaine lundi dans mois janvier ça là. Pas oublier ou suivre gros réseau information hein, Sofia TV 83. C'est pourquoi pas gen problème en janvier pour les députés. Yeah. Il n'y a plus de députés. Pas gen débat sous 4 députés. Non. Yo fini, c'est 4 ans. Très bien. Pour les sénateurs. Dans la constitution il y a deux articles qu'on capable dire quitter il faut que ou te chercher pour te concilier. Il y a un article qui dit que le mandat des sénateurs est de 6 ans. Mm-hmm. Ou l'autre article qui dit le Sénat se renouvelle par tiers tous les 2 ans. Oui, mais gros problème que nous gagnons. Mm-hmm. Et comme dit nous puisque m'écrit déjà dit déjà personnellement pas d'accord du tout avec le Sénat se renouvelle par tiers tous les 2 ans. Même opinion pas moi, c'est qu'il y a un mandat pour les députés, il y a un mandat pour les sénateurs. Mm-hmm. Bien. Et chaque fois que je fais cours, m'oblige à aller dans le tableau pour m'expliquer, étudier mieux, ça qui a passé. Ça qui a passé, c'est que les constituants de 1987, ils étaient joints aux formules assez appréciables. C'est l'article des dispositions transitoires numéro 288. Mm-hmm. L'article 288 des dispositions transitoires. Qui ça le dit? Il dit pour les toutes premières élections. Mais Jean Yopra le fait. Pour concilier tous les deux. Yopra le fait que le candidat qui arrive avec le plus grand nombre de voix l'a pélu pour 6 ans. Mm-hmm. Après lui, Negla a pélu pour 4 ans. Ça qui gagne moins de voix, pas du tout, a élu pour 2 ans. Mais, au fond, le film fait ça, les toutes premières élections faites comme ça, et puis après, bah, elle a déraillé. Parce que, Radio Omega. Si je suis capable d'expliquer tout nos tableaux, pour me montrer que, par exemple, en Radio l'année Omega. 1, il y a 3 sénateur ça. Radio Omega. Il y en a élu pour 6 ans, il y en a pour 4 ans, il y en a pour 2 ans. 2 ans après, il faut faire élection. Ça que tu es élu pour 6 ans, Lila, l'hérité. Ça que tu es élu pour 4 ans, Lila. Ça que tu es élu pour 2 ans, s'il représentait tête li, il passait, il a élu pour 6 ans. 6 ans. Mais il y allait. Hein? Non. S'il allait net, moun cap candidat quand même. S'il voulait l'élection, il a allé. S'il voulait l'élection, il a allé, il a élu pour 6 ans. Mais il est tombé. Oui. Mandat fini. Oui. Mais il est capable de réélu. Oui. Et il y a un monde qui vient pour remplacer, il l'a élu pour 6 ans. Mm-hmm. 2 ans après, ça que tu es élu pour 4 ans, mandat fini. Est-ce que enfin, mentalement, nous, ouais, ça comme tu écrit sur le tableau. Moi, ça. Nous, ouais, ça. Parce que ça que tu es élu pour 6 ans, il vient pour 4 ans, ça que tu es pour 4 ans, il vient pour 10 ans. Non, il n'est pas vini. Non, c'est pas ça. Ça que tu es élu pour 2 ans,
Deux ans après, mandat fini. Oui, il allait. Très bien. Ça que t'es élu pour 4 ans. C'est-à-dire. L'autre, il descend. Deux ans après. Quatre ans après, mandat fini. Oui, oui. S'il voulait représenter, il dit qu'il représentait, mais la pro mandat de 6 ans. Oui. Son l'autre monde voulait participer dans l'élection, ça, la pro mandat de 6 ans. Mais ça me dit, madame Maniga, ça que t'es élu pour 4 ans, 2 ans après. Il vient de descendre. Non, il n'est pas descendu. Dans la catégorie 2 ans, non, il n'est pas. Tout à l'heure. C'est tout pour ta société. Tout à l'heure. C'est un problème. Voilà. Qui vient de problème. Exactement. Parce que l'approche vous fait. Donc, économiste, vous faites le tout. Vous dites tout. Bon, économiste, même, c'est le droit. Et vous voyez que n'a pas dépassé en pile comme tout le temps. Non, vous n'êtes pas d'accord avec 286 ans. Vous même pas d'accord non plus. Mais pas pour des raisons économiques. C'est pas pour des raisons économiques. Vous avez moyen pour ça. Vous voyez comment elle a fait. Et sur nos tableaux, avec étudiants, franchement, je prends la peine pour me faire comprendre. Je suis obligé de mettre sous tableau. Je mette 6 ans, 4 ans, 2 ans. Donc, 2 ans après, ça que tu es là pour 2 ans, mandat fini. 2 ans après 2 ans, ça, c'est-à-dire après 4 ans, ça que tu es là pour 4 ans, mandat fini. Si vous voulez représenter, vous mettez, mais il y a un mandat de 6 ans. Oui. Si c'est l'autre monde qui vient, il y a un mandat de 6 ans. 6 ans tout. Ensuite, 6 ans après, premières élections, ça que tu es là pour 6 ans, le mandat est fini. Pas de problème. Si vous voulez représenter encore un mandat de 6 ans, si vous voulez présenter tête li, mandat de 6 ans, de sorte qu'au bout de 6 ans, tout le monde a 6 ans. Ok. Donc, faut le tout finir. Tout le monde a 6 ans. Et si ça te. Si ça te. Bon, je te fais. Je me souviens très bien. Je ne peux pas partir, je ne peux suivre. Débat parlementaire. Là, il était arrivé sous ça. Je me souviens que je discuté avec certains constituants et je suis convaincu que c'est une façon d'amorcer les choses. Mais condition pour que ça te marche, c'est que l'élection est faite régulièrement. C'est ça qui arrive. Or, nous avons stabilité ça. Nous avons c'est pour voilà, nous avons voilà. De sorte que nous venons arriver dans Clécou. Janvier 2015. Ou la fameuse question de Lénine. Il y a fait élection que pour faire? Deux sénateurs par département. Ce qui est fondamentalement anti-constitutionnel. Il m'a dit tout ça, je voulais. Mpote loi. Loi 2015, la mienne. Mais une loi pas capable, contraire à la Constitution. À la Constitution. Il n'est pas capable. Or, il y a des sénateurs qui battent pour 6 ans, yo. Eh bien, il y aura accroché à la loi, à la loi 2015 là. Moi, il lit tout ça y a écrit sous constitution ça, moi il tout ça y a écrit sous problème non, qui monde qui l'a pour 2 ans, pour 2 ans encore. Le problème fondamental à l'origine, c'est que constitution 2015 là a été contraire à la constitution. La constitution. Décret loi. Décret loi. Décret 2015. Donc la hiérarchie des noms. La hiérarchie des normes. Une loi pas capable, n'est pas capable, contraire à la Constitution, n'est pas capable d'aboler la Constitution. C'est la loi, mère. Donc, Madame Maniga, oui. Ou avez-vous dit que ça que tu as de primer, décision que tu as de primer là, c'est décision constitution. Constitution. C'est ça, Constitution. Dit. Mais le mal est déjà fait. Le mal est fait avant janvier 2015. Parce que tu as eu l'autre élection, tu as mis 2 sénateurs par département. Sous base, ça, ou est-ce que tu as répondu à la question là? Est-ce que c'est dictateur Ali? Est-ce que c'est une? Non, même si mal l'a fait, madame Maniga. Le malheur est fait, mais son mauvais précédent. C'est un mauvais précédent, nous pas qu'à prendre comme jurisprudence. Un précédent juridique ne peut pas être mauvais. C'est ça le problème. Pas oublier, ou à suivre Gros Réseau, Réseau Paola, Réseau Information, hein? Sophia TV 83. Par exemple, ou à voir grand pile monde Kabdou que sous Préval. Préval t'a décidé que le Parlement était dysfonctionnel. Et c'est ça, je dis qu'on va arriver en janvier. Mais il est déjà, dans le cas de Préval, Préval était déclaré comme ça. Il n'est pas vraiment comme ça. Tandis que nous arrivons en janvier, pape gain député, et on grand point d'interrogation en ce qui concerne le nombre de sénateurs. Ah, mais débat matin. C'est débat, ça. Est-ce que c'est deux tiers? Non, mais il dit, à faire 2, 4, 6 là,
C'est lui-même que décret loi. Alors que, comme dans nos dispositions transitoires, article 288, là, les caduques. Oui, parce que. Les caduques depuis 1987, 88. Oui, transitoire. Comme si ça, on parle de ça qui dit, des articles qui dit comme ça, monde qui fait plus de balles là pour 6 ans. Voilà, c'est ça. Nous pas doués du tout, mes amis, ça fait plus de 30 ans. Nous pas doués du tout dans l'affaire de 2 ans. Non, c'est fini. C'est fini. Et même, bonne disposition transitoire que ont utilisé deux fois. Dans le passé, l'article 289, pour être capable de mettre sous pied un conseil électoral. C'est, là encore, c'est anticonstitutionnel. Et je précise, quelle est la solution? Qu'est-ce qui aurait pu être? Et ça, moi-même, m'a préconisé. Ma goumen pour lui, pour nous gagner nos jours. Un conseil constitutionnel. Si nous avons un conseil constitutionnel, élection 2015, je n'ai pas fait du tout. Quand Conseil constitutionnel, là, que prévoit. Il prévoit dans l'amendement. Il n'est pas là pour dire tel article bon ou bien que le pas bon. Il est là pour dire telle décision prise par l'exécutif, telle décision prise par le Parlement. Il est non constitutionnel. Il n'est pas conforme à la Constitution. Voilà. C'est là, il est là. Or, si Conseil constitutionnel là existait, et il y a des conditions quand même pour l'y efficace, il faut qu'il y forme des gens qui sont compétents. Des mondes qui sont honnêtes et des mondes qui sont totalement indépendants des trois pouvoirs. Il faut qu'ils soient totalement indépendants de l'exécutif, du Parlement ou du judiciaire. Si nous avons un conseil constitutionnel, il est capable de dire attention, halte là, ce que vous voulez faire en janvier 2015 n'est pas constitutionnel. Mais, et loi, pour décret loi que nous présentons, n'est pas conforme. Devant la situation, c'est comme si on prend précaution pour ne pas dire est-ce que c'est distribué à l'FPD. Est-ce que c'est on prend précaution. On a besoin de la paix. Ça qui pralé et qui admet que vous pralé, hein? Ça qui dit que vous pas pralé du tout. Ça qui refuse d'aller. Mais qui t'a dû aller? Et gagner qui t'a dû aller, mais qui dit que vous pas pralé. Qui a fait résistance? Trois catégories. Ou bien trois catégories des 29 qu'on pense qu'on connaît. C'est pas un sénateur qui oui, parle. Qui va jamais prendre fonction. Eh bien, 29, eh bien, il est divisé en trois. Et gagner qui dit. Alors, moi, personnellement, vous voulez que me dise, ça me pensait. Donc, en fonction de toute lecture dans cette bail-là. Oui, mais alors, si Mme Maliga dit, en fonction de tel bagage, tel bagage, tel bagage, c'est difficile. Même si je me constitutionnalise, même si la Constitution me connaît, même si tout ça publié sous Constitution me connaît, j'ai préparé tout ça, c'est pareil que me préparer uniquement pour l'émission. C'est-à-dire, je mettais l'esprit en ordre. Maintenant, moins constitutionnaliste, mais je suis une femme politique. Je ne suis pas candidate. Et je ne suis pas secrétaire général de mon parti encore. Mon secrétaire général. D'accord? Mais sur les questions constitutionnelles, les gens de mon parti, y compris secrétaire général, là, ils ont dit, et on t'entendait un téléphone hier, que l'on t'a parlé avec Bouchon, avec Ricardo, on dit, demandez, secrétaire général. Elle dit, oui. Et que Radio Méga, tout le monde tendait. Et que sous fond, on émission avec Radio Méga, on attendait. Tandis que Tico Zé en bâtonnel, pour le jeudi soir, il y a de monde qui tendait, il y a de monde qui m'attendait. Il y a, avant que mon opinion PAM, qu'est-ce qui s'entendait, par exemple, comme journaliste? Vous entendez que il y a des sénateurs qui disent, il faut que je fasse 6 ans. Moi, là, je ne vais pas bouger. Gagné qui dit, eh bien, il faut que nous fassions un contre-mataille. Ou entente. Gagné troisième qui dit, moi-même, je suis prêt pour me remettre. Ça qui, par exemple, qui était conformément à décret-loi que je ne suis pas d'accord avec là, il était gagné, élection, il était gagné le plus grand nombre de voix. OK? Il dit, je suis là pour 6 ans. Mais cependant, moi, là, pour me faire un petit
concession, couper deux ans dans mandat, peut-être pour nous rétablir les bagailles. Et en fait, la solution qu'il faudrait, et c'est ça que moi-même, je vais défendre, mais ce n'est pas moi qui décide. Radio Omega. Moi, c'est même si que c'est président d'honneur d'un parti politique, parti politique là, pas, c'est pas lui-même qui va le décider. Même penser que en mettant ensemble mes compétences, comme m'a fait fausse bagaille, que je suis compétente en matière constitutionnelle. Études que me fait, analyse que me fait. Donc pour me préparer, rien que pour me préparer émission ça, me prendre tout ça que j'ai gagné, m'ordonner en fonction d'une émission. C'est à tabula rasa. Qui t'a dit qui ça? Moi-même, moi, quoi en la validité, l'utilité d'un parlement. Mais parlement que nous gagnons, c'est de la comédie. Bien content de dire ça. C'est Madame Maniga, malheureusement. Le goumé en finit avec Beauchamp, avec Jenica. Finalement, Tesla. Oui, Beauchamp, il n'est pas gardé encore. Et pas Beauchamp, non, Jenica avec Romanes. Donc, Tesla, il y a Goumé avec chaque jour. Bon. Donc, finalement, Tabula Rasa. Tabula Rasa, mais attention. Il faudrait donc que nous, les citoyens de ce pays, des mondes qui impliquaient d'une manière ou d'une autre en politique, soit qu'il y a une position politique, soit que c'est observateur politique, soit que futur candidat, par exemple, que admettre qu'il y a un problème qui ne peut être résolu ni par la Constitution, ni par le décret loi électorale. Donc c'est le nœud gordien. Il faut couper. Oui, il faut couper. C'est ça, là. Il faut couper. Autrement dit, tout le monde accepter remettre mandat en question. Donc retourner ou pas? Oui, retourner. On revient. Oui. Ou organiser des élections. Et avant d'organiser les élections, on fait l'autre constitution. On pas capable de faire amendement encore, parce que la constitution dit qui j'en pour faire. Quelle est la procédure? Procédure là, libiaisée. C'est fini. C'était la 8e session d'abord. Pas par le Parlement. Le Parlement ne peut plus, parce que l'amendement constitutionnel, c'est le Parlement seulement. Oui. Ouais, ou pas capable. Donc, il faut que ou t'as gagné une autre constitution tout de suite. Et là, ça, tout le monde connaît du mandat. Tout le monde connaît. Là, et moi, je suis partisane que qu'on demande au moins une durée unique et pour député et pour sénateur. Et pour sénateur. Qu'on voulait, parce que l'homme gardé. Les députés, c'est 4 ans. Les sénateurs, pour 6 ans. Le président, pour 5 ans. Les collectivités territoriales, pour 4 ans. On gagnait trop de mandat, et qui dit diversité de mandat dit multiplication des élections. Oui, trop de dépenses. On va quand même dire collectivité territoriale, yo, retourne. On va attendre ça. Comment dit le c'est, qui est magistrat de Carrefour, qui s'agit de Fédam. Nous entrons en octobre 2016, nous là pour 4 ans, mandat nous terminé en octobre 2020. Oh, c'est logique. Oui. Mais qui ça qui anime lui, c'est la date des élections ou la date d'entrée en fonction. Il faut donc légaliser tout cela. Il faut uniformiser tout cela. Sinon, soit garder calendrier, chaque 2 ans, il faut qu'on a gagné l'élection. Élection. Soit élection sénateur seulement, soit à un certain moment, ouais, là, où tu as fait que nous gagnions l'élection des députés. Des collectivités territoriales pour nous gagner et chaque 5 ans un président de la République. Il faut détacher opinion PAM, élection présidentielle des élections parlementaires pour essayer de distendre les liens trop étroits qui gagnaient entre le chef de l'exécutif et le parlementaire. Non mais pas d'attendre, ça n'a pas de coûts. Élection. Oui, bien entendu. Donc, si vous faites là. Si vous faites ensemble, est-ce que vous n'avez pas tapé. Ok, si vous faites bien, fait là, nous, sénateurs, qu'est-ce que nous voulons? Qui ça nous voulait? Est-ce que nous voulons assainir le système institutionnel haïtien? Ou bien alors, n'a obsédé par la question de coût? Bon, d'abord, pour aller dans les élections, il faut enfin que nous prenions le pays au sérieux,
que nous mettez le système de vote électronique là, qui coûtait moins cher que tout ça chaque fois qu'il y a élection que le conseil électoral a fait. Et qui vous savez combien de conseils électoraux que nous avons eu? 20 conseils électoraux. Oui, mais... Vous connaissez combien de lois électorales que nous avons eu? Des projets dernier ça, ouais. Version préliminaire 2018, c'est le 7e depuis 1987. Il faut quand même mettre fin à cela. Chaque fois qu'on conseille, oui, mais chaque fois qu'on conseille, nous gagnons sûrement. Ça. Oui. Mais chaque fois qu'on refait tout son travail en plus, son dépense et on paquet de bagaille. Il faut effectivement, tu as dit, le nœud gordien, mais il faut expliquer quand même aux auditeurs haïtiens qui ne sont capables pas de connaître, ça aurait été le nœud gordien. Expliquer, ça aurait été le nœud gordien. C'est-à-dire, ou couper quoi de là? Ou couper quoi de là? Et ou essayer. Éviter des mounes qui plus ou moins connaît et pas nécessairement des docteurs en droit. C'est ça que nous faisons là. Et des mounes, par exemple, pour une assemblée constituante, toujours à dire, ou pas besoin de gagner des docteurs en droit. Seulement, ou gagner des mounes qui sont censés, des mounes qui sont capables de réfléchir, des mounes qui vraiment gagnent l'esprit ou bien droit pour discuter d'une nouvelle constitution. Mais là, ou gagner pour écrire. Prenez les gens de droit. Sauf que j'aime qu'on aller là et nous pas fini. Mais tout soit pas là. Fonda dit on a fait sur une période. Donc Fonda retirer question gouvernement salaire. Fonda retirer question parlementaire salaire. Non, nous pas parler de quantité de temps. Mais là, nous pas parler de gouvernement ni de président. Mais cependant, la chronologie de ce qui devrait être fait pour 2020. Si on a dit par exemple que n'a pas gagné élection en octobre 2020. Mais élection de quoi? C'est un consensus politique qui vous dit. Mais à partir de là, si nous entendons pour demain, octobre, novembre ou décembre, il faut faire le compte à rebours. Pour nous gagner élection en 2020, il faut que nous gagnions un conseil électoral là, il faut que nous gagnions une loi électorale là, il faut qu'avant ça, nous gagnions notre constitution. Quand c'est l'autre constitution qui dit... Donc des préalables. Il y a des préalables. Il faut des préalables. C'est ça. Or, préalable, ça y est. Donc c'est le compte à rebours. Si l'objectif essentiel, fondamental, c'est de nouvelles constitutions... C'est l'uniformisation des structures. Oui, c'est ça. Non, c'est d'abord les élections. Oui. Toute institution, sauf le pouvoir judiciaire et encore, cour de cassation, les dépenses de Sénat, il faudrait quand même... simplifier tout ça, assainir tout ça et faire le compte à rebours. Est-ce que la première chose à faire n'est pas une nouvelle constitution? Pour faire une nouvelle constitution, ce n'est pas le Parlement qui n'existe plus. Virtuellement, il va exister encore. Il faut faire une assemblée constituante. Mais l'assemblée constituante, avec qui et comment la convoquer? CNGR a fait un bon travail. Il était prêt arrondissement, un constituant par arrondissement et 20 constituants. Que c'est lui-même qui était nommé. Et moun sa y était entendu tellement bien que on pas connaît qui s'acte nommé, qui s'acte élu. C'est la première fois dans l'histoire constitutionnelle haïtienne que été fait. Parce que les assemblées constituantes ou bien été élues ou bien été nommées. Totalement. Mais là, il fait les deux. D'accord? Et ils ont bien travaillé. C'est pas parce que nous avons des critiques sur certains articles pour nous pas reconnaître que les 61, enfin, il y avait une 60, puisque tu as un monde qui était mort, sont humaines. Ils ont fait. Mais ils ont travaillé. Les abrivés, sinon là, nous obligés de vague. Et Mme Maniga, nous avons souhaité que l'autre l'ait encore. Vous regardez qui l'est. Mais c'est un pire monde d'apprendre. C'est que nous n'avons pas bien apprendre. Pour réactionner, vous avez la tour. Pour réactionner, vous avez la tour. Mme Maniga. Non, émission live. Nous live. On a commenté. Nous live. C'est vrai. Vous avez moyen même, vous seul. Vous avez même question dans des tabous à rasa. Vous avez question quand même. Où seule question. Ben, prenez, ma capable. 38 98 75 2 fois 305 677 05 25 ou bien passer sur le numéro. On a prendre deux questions pour madame Maniga qui lui-même va avoir nos réponses rapides parce qu'il est arrivé sous nous et sous Salomon à l'étranger ou sous 75 en Haïti. 75 allô? 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 Oui, quand on voit chez nous? Oui, bon, votre école.
Professeur Bolivar, on parle, madame, elle est arrivée sur nous. Professeur Bolivar, oui. Bon. Bonjour. Bon, là, c'est pour nous saluer, madame. Nous saluons, madame Aniga, et nous avons renouvelé à tout auditoire là, soit nous, pour nous transition là, pour nous avoir une bête là, et nous avons un caractère, des sérénités, ça, ça c'est nous. Même nous déplorer, pour ne pas prendre distance sous, à certaines dérives de ce monsieur là, et je m'attends, c'est me penser, parce que les mêmes proposés non là, les gens qui ont fait des rives, l'homme est silence. Le chat a sanctionné des dérives vraiment qui vraiment indignes de l'esprit, monsieur Mathieu. Ah non. Ça m'a pas capable d'accepter préalable. Mm. Ou t'es capable simplement de en pile monde fait. Madame Aniga, ou pas jamais parler. Pour qui ça? Ou pas jamais parler. Pays log, pays pas log, ou pas jamais parler. Bon, bon, c'est un choix bon, que m'a fait. Et ouais, Jodia, mettez fin. À silence, moi, avec émission. Bon dernier monde, madame Maniga, pour qu'elle réponde en français, elle réponde. Côté le monde, il y a l'étranger en Haïti. 75, bonjour. Y a le bonjour. Bonjour, qu'on te branche nous. Allô, bonjour. Qu'on te branche nous, frère. Moi, je suis à la de Biokai. Okay. Madame Maniga. Nous sommes tous les fous. Et on ne sait pas, madame Maniga. Ça, c'est un nom qui parle pour ce paiement. Les pauvres, les gens battent, ils vont et viennent. D'une carte crasée, l'histoire là. Et il y a un bâtiment de l'immoralité, il y a un moral comme ça qui se passe, qui devait partir constitution pays. C'est pas immoral comme ça, vous avez exposé. Écoutez, cher ami, c'est pas de sujet. En tout cas, pas de sujet. Non, c'est pas de sujet. Mm-hmm. Et deuxièmement, Éric Jean-Baptiste est le secrétaire général élu par une assemblée du RDNB. Et moi-même, je suis une présidente d'honneur de cette assemblée. Qualité première moins de le rapport avec Éric Jean-Baptiste, c'est la loyauté. Je ne peux pas permettre que vous dites publiquement dans la radio ce qu'on fait dire. Je ne suis pas d'accord avec elle du tout. Merci un peu, madame Maniga. Un dernier mot, pas pour tout le temps, mais un pour l'émission, ça, mais oui. Bon, je t'ai dit peut-être que si je tourne et que nous faisons ce que beaucoup de radios font, fait, sous réserve, il y a caché derrière l'anonymat. Mm-hmm. Pour mon dire n'importe quoi dans la radio, ou bien alors, ça n'a pas l'air, on ne peut pas parler de lui du tout. Oui. Mm-hmm. D'accord. Mm-hmm. Si nous faisons hors sujet. Oui. Donc, il est bon quand même que le public là apprenne que on va participer à nos émissions, eh bien, qu'on pose des questions en rapport avec le thème émission. Mais cela dit. Et avec beaucoup de respect également. Yeah. Oui, ah oui, ça, c'est certain. Parce que ce thème booster, c'est une ligne de conduite par nous-mêmes. Moi-même, qui s'agit, m'a dit nos barres qui pral étonner nous. Mm-hmm. Moi aussi, j'en frustré. Pas comme t'es quand pile bagaille, n'a dit à coup de moi, m'a dit. Merci à vous, professeur Oliva, nous allez, vous appelez à vous aller. En tout cas, madame Maniga. Nous parlons nous compte de ça. Madame Maniga, nous espérons. Nous avons toujours planifié notre émission avec madame Maniga. Côté que la vine à 8h30 ou bien 9h, la vine 2h, nous espérons que nous avons Maniga une émission spéciale. Ah oui. Pour commencer dans l'heure, pour finir dans l'heure, parce que nous ne voulons pas madame Maniga frustrée, nous voulons madame Maniga indignée. Nous voulons indignation intellectuelle là. Capable, utile, je les haïtienne. Merci tout le monde. C'était le troisième sortie booster. On a croisé demain si bon Dieu veut. Troisième rendez-vous booster arrivé dans votre Kounia même. C'est Rousseau Ezekiel qui t'a fait manœuvre technique. Non, pas monsieur Romanès samedi. On a croisé demain. Déjà, n'a pas remercié zami fanatique Sofia TV 83 yo, j'en toujours dit qui pas jam la gen, qui toujours là ensemble avec, pas oublier continuer partager abonner supporter nous et c'est grâce à vous jodia équipe là a continuer grandir. Merci tout le monde, n'a pas retourné pour une autre vidéo.